Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de différents petits objets, des objets qu'on peut quand même trouver dans la maison assez facilement. La première chose que vous allez avoir besoin est un tapis de yoga. La deuxième chose que vous allez avoir besoin est de l'eau. L'eau, l'hydratation, c'est la vie. La troisième chose que vous allez avoir besoin est une sangle ou une ceinture comme celle-ci. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez toujours prendre une ceinture ou encore une serviette. La quatrième chose que vous allez avoir besoin sont des blocs ou quelque chose qui ressemble à des blocs. Donc les blocs, c'est comme ça. Si jamais vous n'avez pas de blocs, vous pouvez toujours prendre, comme j'ai un objet qui ressemble à cela. Puis la dernière chose qu'on va avoir de besoin est un autre tapis de yoga ou encore une serviette roulée, comme ça. On va s'en servir seulement à la fin. On veut qu'il soit roulé comme ça. C'est tout simplement pour venir poser en dessous du dos. Donc, en fait, aucun de ces objets-là sont tant nécessaires. Si vous n'avez rien de ça, ben, venez tout simplement profiter de la classe. Donc, on va commencer au milieu de notre tapis. On va s'asseoir les jambes croisées, a.k.a. en indien. Si jamais vos genoux se retrouvent ici bien surélevés, ce que ça crée, c'est que c'est plus difficile maintenant d'allonger le dos. Et là, on ne veut pas trouver cette position-là parce que c'est ça qu'on veut se débarrasser. Donc, on va poser quelque chose en dessous de nos fesses. Ça peut être notre tapis qui est roulé ou notre serviette ou encore le bloc. On va venir glisser sur les fesses. Et là, ça permet aux genoux de redescendre et ça nous permet de venir retrouver un bel alignement comme on cherche. Donc, on est assis ici. On va poser les mains sur les genoux. On va prendre un moment pour se centrer parce que quand on fait du télétravail, on est souvent un peu sollicité de toutes sortes de façons. C'est pas notre attention et pas à une personne directement, mais on est éparpillé partout. On a des messages qui pop dans Messenger. Là, on a des appels. On a toutes sortes d'affaires qui se passent. Ah, c'est la folie. On va se séparer de tout ça en ce moment. On va simplifier. Donc, on ramène tout à la respiration. On va poser les mains sur les genoux, fermer les yeux. Et puis, on va focuser sur la respiration. Je veux que vous imaginiez que vous êtes un spectateur. Donc, vous êtes assis dans les estrades et là, vous observez votre respiration. Continuez d'observer la respiration. La laisse être naturelle sans sentir qu'on doit la corriger, qu'elle doit être autre chose, qu'elle ne doit, doit pas être perfectionniste. Celle-là. Puis pendant que la respiration continue de faire son cours naturel, remarquez votre corps, remarquez que votre menton n'est pas étiré vers l'avant, on ramène vers l'arrière, que vos épaules ne sont pas roulées vers l'avant, mais juste centrées ici avec le reste du corps. Puis que vos esquions, vos petits os de fesses, sont bien ancrés au sol. Donc, on trouve l'ancrage au niveau des esquions, on sent une légèreté. Puis, on va prendre une inspiration par le nez. Gonflez votre ventre et votre cage thoracique. Puis, expirez. Laissez le ventre rétrécir, la cage thoracique aussi. Donc, on inspire. On est comme un ballon ici qu'on gonfle, sans retenue au niveau du ventre. Expire, on relâche. Donc, continuez la respiration. Voyez si c'est possible d'approfondir un peu l'inspiration, ainsi que d'allonger l'expiration. Et ça. Excellent. Puis on va ramener les mains en prière ici, juste devant la poitrine. Vous allez prendre une inspiration, puis entrelacer vos doigts. Et ensuite, expirez, poussez les paumes de vos mains vers l'avant, loin de vous. Et là, arrondissez le dos. Rentrez le menton vers l'intérieur. Laissez-vous rouler vers l'arrière avec le dos, les fesses. Mais la tête, elle vient vers l'avant, le menton est vers l'intérieur. On prend encore une inspiration ici, et puis expire.
expirer ici. Et là, on va inspirer. On va venir de l'autre côté. On relâche les mains. On ouvre les coudes. Et on pousse la poitrine au maximum vers l'avant. Et ça, les bras sont comme des cactus. On tente de rapprocher les omoplates l'une vers l'autre. Et ça, poussez, ouvrez. On laisse la poitrine vraiment basculer vers l'avant, puis le regard vers le plafond. On prend encore une inspiration ici. À l'expiration, amenez les mains au-dessus de la tête. Les paumes des mains se touchent. Entrelacez les doigts, tournez les paumes des mains vers le ciel et étirez-vous à l'inspiration. Oh, comme si c'était une première fois qu'on s'éveillait le matin, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On prend encore une inspiration ici. Et puis à l'expiration, ramenez les mains en prière au cœur. Donc on va suivre la respiration. Inspirez, entrelacez les doigts. Expirez, arrondissez le dos, menton vers l'intérieur, poussez les mains loin de vous. Maintenant, on relâche les mains, inspire, les coudes vers l'arrière, cactus, poitrine vers l'avant. Expire, les mains au-dessus de la tête. Entrelacez les doigts, tournez les paumes des mains vers le ciel, inspire, étirez-vous. Expire, les mains au cœur, en prière, on entrelace les doigts en l'inspiration. Expirez, poussez les paumes des mains loin de vous, arrondissez le dos, permettez-vous un petit peu plus de rondeur. Puis on inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant, cactus. Et ça. Alors, on ramène les mains au-dessus de la tête, expire, entrelace les doigts, tourne les paumes des mains vers le ciel, inspire, allonge. Et puis expire, ramène les mains au cœur. Yes! Donc déjà là, on vient créer un petit peu plus de mouvement avec notre colonne vertébrale. Maintenant, on tourne le corps vers la droite. Posez la main droite derrière vous. La main gauche sur le genou droit. Inspire, le dos est long. Votre main droite, c'est un peu comme un pied de vélo. Ça nous aide à se tenir bien droit. Et puis à l'expiration, la main gauche qui tire sur le genou droit nous aide à tourner un petit peu plus. Le dos est long. À chaque inspiration, il vient un petit peu plus long. Et à chaque expiration, on approfondit la torsion. On tourne le regard vers la droite et vers l'arrière. Excellent. On vient de notre côté tout de suite. Main gauche derrière nous, main droite sur le genou gauche. Inspire, le dos est long. Expire, on tourne vers la gauche. Encore une fois, inspirez, allongez bien votre colonne vertébrale. Expirez, tournez, tournez, tournez. Excellent. On revient vers l'avant. On va faire un dernier petit mouvement ici pour réveiller notre cou parce qu'on est toujours là à regarder vers l'avant. On va laisser la tête basculer vers l'arrière et vers l'avant. On ajoute un petit étirement. Vous prenez conscience de votre corps. Remarquez s'il y a quelconque endroit de tension. Puis adressez cette tension-là. Un, en respirant et en visualisant la respiration qui vient oxygéner les tissus et les muscles. Et puis on peut ralentir le mouvement. Comme deuxième action ici, pour adresser cette tension. On va venir porter l'oreille gauche vers l'épaule gauche et l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on alterne ici. Pas obligé d'être rapide. On y va tout en douceur. Et ensuite, on va faire des non. Non, 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 non. Est-ce que la respiration est là? Inspire, expire. Et puis finalement, on fait des demi-cercles. Maintenant, on va venir sur les genoux. On va s'asseoir. Si ici, c'est inconfortable pour vous, vous pouvez toujours poser un bloc directement entre les talons et vous asseoir. Donc, on va venir entrelacer les doigts
Et on va faire le chiffre 8 avec nos poignets. Et puis, on va maintenant travailler un petit peu notre intellect. Et on va aller dans la direction opposée. Et ensuite, on vient poser les mains devant avec les doigts qui pointent dans la direction opposée de nous. Et on va basculer vers l'avant. Et on rebascule par ici. Et on revient ici. Donc, on étire un peu les poignets. On sent les doigts qui repoussent le tapis lorsqu'on arrive à porter les mains devant. Encore 3. Et puis 2. Et puis 1. Ensuite, on va tourner le dessus des mains au sol avec les doigts qui pointent maintenant vers les genoux. Et là, on sent notre corps. Donc, allez-y. Vous sentez l'étirement sans aller trop loin pour éviter de vous blesser. Moi, j'aime bien faire des petites demi-lunes ici. Porter une main à la fois au sol et on va tourner les doigts vers l'extérieur. Puis on va shifter un peu de droite à gauche. On bascule de droite à gauche. 3. Et 2. Et 1. Excellent. On va enlever le bloc si on avait un bloc en dessous des fesses. On revient à quatre pattes. Lorsqu'on est à quatre pattes, on a les poignets directement sous les épaules, puis les genoux, eux, sont sous les hanches. On va inspirer et là, creuser le dos, ramener les épaules vers l'arrière de façon à pouvoir pousser la poitrine vers l'avant et le bas. Et là, on expire, on arrondit le dos. Comme ça, on arrondit. Encore vers l'intérieur. Inspire. On tourne le regard vers le ciel. Laissez les épaules dégager loin des oreilles, vers l'arrière et le bas. Expire. Arrondi. On tourne vers l'intérieur. Repoussez le derrière de votre cœur vers le ciel. Et encore deux respirations par vous-même. Donc, la respiration guide votre mouvement. Parce qu'on arrive au bout de l'inspire, on devrait être au bout de la position et prête à basculer de l'autre côté. Super. On va maintenant avancer les mains devant, droit, droit devant. On va garder les fesses au-dessus des genoux. Et là, on avance les mains le plus possible vers l'avant et ensuite on laisse la poitrine aller vers le sol. Nos hanches restent au-dessus des genoux. Ceux qui ont plus d'ouverture et que la poitrine va toucher facilement au sol, on peut venir sur le bout des doigts. Et là, oh, ça crée un petit peu plus d'ouverture. Trois respirations ici. Restez ici. Restez. Et puis tout doucement, on revient. Yeah! On sent le contraire de ce qu'on fait toujours ici. Alors, on vient ouvrir le dos. Donc, on va peut-être trouver notre premier chien tête en bas. Avancez. Maintenant, si on part des mains qui sont directement sous les épaules, on avance les mains devant les épaules. Rentrez les orteils, soulevez les genoux, poussez les hanches vers l'arrière. Mains sur l'arrière des épaules. Les mains repoussent le sol pour pousser les hanches vers l'arrière. Donc, nos épaules se retrouvent en arrière des poignets. Ils ne sont pas au-dessus du tout. On cherche à avoir une position de V inversée. Donc, les hanches sont vers l'arrière, le coccyx est vers le ciel, le dos est long. Si votre dos est arrondi ici, puis les genoux, ça va vous aider à retrouver un long dos. Et on cherche à tout faire sauf arrondir le dos ici.
ce qui a un peu plus de flexibilité au niveau des ischios jambiers peuvent tendir les jambes. On va prendre une longue inspiration ici. Expirez complètement, pliez les genoux, regardez devant, amenez les pieds au devant du tapis. Inspire, le dos vient long, parallèle au sol. Donc la nuque est longue, on regarde vers le bas. Puis on relâche ici. Amenez les pieds largeur des hanches, agrippez les coudes opposés, nos lacets, on bascule légèrement de droite à gauche. Deux. Et on relâche les mains au sol. Rapprochez les pieds là pour que les gros orteils se touchent. Et tranquillement, en pliant les genoux légèrement, on se soulève. On déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Quand on arrive ici, on pousse le bassin vers l'avant pour engager les muscles fessiers. Et on roule les épaules vers l'arrière. Puis on va inspirer, pousser les mains vers le ciel. Gardez les jambes bien engagées, les fessiers aussi. Expire, on pousse la poitrine vers le ciel et on laisse les bras retomber vers l'arrière. Poussez la poitrine un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Et à votre prochaine inspiration, ramenez les mains vers le ciel. Expire, chaise, Utkatasana. Donc dans notre chaise, on ne cherche pas à avoir un dos plus creux que naturel. Donc, on va rentrer le bassin légèrement. Les épaules toujours dégagées loin des oreilles. On ne fait plus ça. Ça, c'est un signe de stress dans notre cerveau. Donc, on dégage le cou. On s'assoit un petit peu plus. Expirez. Dissez les jambes, les mains au cœur. Inspire. On fait un grand cercle avec les bras. Expire. Flexion avant. Inspire. Allonge le dos. Parallèle au sol. Expire, les mains au sol, les pieds derrière. On est en planche. On inspire ici. Option de déposer les genoux au sol. Expire. Chaturanga. On descend tout doucement. Les coudes viennent vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. Inspire, cobra. Gardez les coudes pliés. Épaules loin des oreilles. On revient vers le sol. On réinspire ici. Hop, cobra. Expire, on revient vers le bas. Inspire, cobra, ceux qui sont habitués de faire chier, tête en haut, allez-y. Expire, on revient, une dernière fois. Inspire. Expire, chien, tête en bas. On prend une longue inspiration ici. Restez à l'expiration. Soulevez le pied droit vers le ciel. Inspire. Expire. Ouvrez la hanche droite au-dessus de la gauche. Pliez le genou. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on vient porter le genou au nez. Peut-être on touche. Donc les épaules basculent au-dessus des poignets ici. Et on inspire. On ramène vers l'arrière. On engage les muscles de la fesse droite. Expire, genou au nez. Inspire vers l'arrière. Expire, genou au nez. On regarde vers l'avant et on pose le pied entre les mains. Donc, on va plier le tapis si on veut avoir un peu plus de coussin pour notre genou. On pousse les hanches vers l'avant. Donc ça, c'est le psoas que je vous disais qu'on va étirer parce qu'il est tout le temps en contraction quand on est assis. Donc, mon genou droit est au-dessus de la cheville droite. Je veux pas de genou à l'avant. Donc vraiment, le genou au-dessus de la cheville. Les hanches vers l'avant, vers le bas. On veut sentir que ça tire ici. Les mains vers le haut, inspire, dégagez les épaules, expire, poussez les hanches vers l'avant, inspire et expire, ouvrez les coudes, poussez la poitrine vers le haut et puis on inspire, les mains vers le ciel, expire, les mains au sol. Rentrez les orteils du pied gauche, soulevez les orteils, le genou gauche, donc notre genou droit est toujours au-dessus de la cheville droite, lunge, donc on est sur la paume du pied gauche. Le talon est soulevé, comme vous voyez. Inspirez, les mains viennent vers le ciel. Expirez, les mains aux hanches. Pliez le genou gauche. Vous voyez comment ça met notre bassin en position neutre. Gardez cette position neutre et raidissez peut-être au complet ou partiellement la jambe gauche. Et là, on sent bien l'étirement au-devant de la jambe gauche. Inspire, les mains vers le ciel. C'est ça. Et expire, on va venir déposer
le genou gauche et inspire, on soulève. Expire, inspire, expire, inspire. Encore une fois, expire et inspire, on soulève le genou gauche. Amenez les bras le long du corps et vers l'arrière, comme en avion, comme si c'était vos ailes d'avion. Et là, on va rapprocher le pied gauche légèrement et peut-être soulever la jambe gauche. Donc ici, le pied peut être à peine soulevé, mais on cherche une ligne longue de notre pied gauche jusqu'à notre tête. Si on a ouverture, on peut ramener le corps plus bas, mais la jambe doit aussi se soulever pour suivre. Pour 3, 2, et on pose les mains au sol. Option de prendre les blocs ici. Et on va prendre une inspiration ici. Expire, Shiva squat. Le genou gauche vient derrière le droit. On engage la fesse droite. Inspire. Expire, genou gauche derrière le droit. Inspire, on redit la jambe. Expire. Inspire. Expire, genou gauche derrière le droit. Et là, on va venir porter le pied gauche à l'extérieur, ici, de notre tapis à droite. On va inspirer, soulever les mains vers le ciel. Donc, on est comme dans un curtsy lunge. Et là, on va ramener les mains vers l'arrière, on pousse la poitrine vers le ciel, on plie les deux genoux. Le genou gauche vient vers le ciel. Inspire, on soulève. Expire vers l'arrière. Inspire. Et puis, expire. Et là, on inspire les mains vers le haut. Expire, les mains sur le bloc ou au sol. On ramène la jambe gauche à côté de la droite. Inspirez, allongez le dos. Expirez, flexion avant. Ouh, on sent bien la fesse droite. Hein? Pliez le genou gauche. Posez la main gauche devant le pied gauche. Raidissez la jambe droite. On peut poser sur le bloc aussi si on veut. Et la main droite vient vers le ciel. Inspire, le dos est long. Expire, on tourne, tourne, tourne. Excellent. On ramène les deux mains au sol. Inspirez, mains sur les tibias, nuque longue, on regarde vers le bas. Et puis expire, les mains au sol, et puis derrière, planche. Prenez une inspiration. Expirez, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va soulever le pied gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche, pliez le genou gauche. Et puis, on va prendre une inspiration ici. Expire, genou gauche. On est. Peut-être on touche. Inspire, la jambe vers l'arrière. Engagez les muscles de la face gauche. Expire, genou. On est. Les épaules viennent au-dessus des poignets. Donc, on fait ça. Inspire, vers l'arrière, la jambe. Expire, genou au nez. On tourne le regard vers l'avant et on vient poser le pied entre les mains. On se prépare pour notre lunge. Donc, on va replier le tapis si on veut faire un petit coussin pour notre genou. Nos hanches sont poussées au maximum vers l'avant. On veut étirer le devant de la jambe droite. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Pas devant. Inspire les mains vers le haut. Expire, plie les coudes. On vient ici en cactus. On va tourner les paumes des mains vers l'avant et vers le bas. Et là, on va continuer notre mouvement pour étirer le psoas de la jambe droite. Et on va venir contracter les omoplates l'une vers l'autre. Gardez les coudes hauts, à la hauteur des épaules. Et ça. Inspire en relâchant, expire en contractant. Inspire, expire. Pour 3, 2 et 1. On inspire les mains vers le ciel. Les hanches sont toujours vers l'avant. Expire les mains au sol. Rentrez les orteils du pied droit, soulevez le genou droit. Excellent. Donc, notre genou gauche toujours au-dessus de la cheville gauche. Inspire les mains vers le haut. À partir d'ici, on va plier légèrement le genou droit. Et puis, on remarque
que notre bassin est en position neutre. On garde ça ici, cette intégrité-là, et on raidit partiellement ou entièrement la jambe droite. En même temps, ça fait que ça engage la fesse droite et ça nous permet d'étirer un petit peu plus le psoas de la jambe droite. Donc, inspirez les mains vers le ciel. Expirez, on ramène le genou droit au sol. Inspire, on soulève. Expire, on descend. Inspire. Expire au sol. Inspire, on raidit la jambe. On vient porter les bras le long du corps. Les paumes des mains sont tournées vers le bas. Et à partir d'ici, on va soulever le pied droit. Peut-être juste un petit peu. Et peut-être beaucoup. L'important est de garder la ligne avec la jambe et le haut du corps. Une seule ligne. Envolez-vous dans votre avion. Paume des mains tournées vers le bas. On prend encore une inspiration ici. Expire les mains au sol. Donc, soit les mains viennent au sol ou sur un bloc. C'est comme vous préférez. Guidez le genou droit derrière la gauche. On plie les deux genoux. Inspire, on allonge la jambe. Expire, on plie. Inspire, on allonge la jambe. Expire, on plie les deux genoux. Inspire, allongez la jambe. Expire, pliez les deux genoux. Et ensuite, on étire la jambe droite derrière, vers la gauche. Et puis, on va inspirer les mains vers le ciel. On est comme dans un petit lunge, un peu plus un mouvement de fitness. Et on remet les mains vers l'arrière, on descend le genou. Expire, inspire, on soulève. Expire, en arrière. Inspire, soulevez. Expire à l'arrière. Et inspire, on amène les mains vers le haut. Expire, les mains viennent sur le bloc ou au sol. Et on dépose le pied droit à côté du gauche. On va maintenant plier le genou droit. Amener la main droite devant le pied droit. Et la jambe gauche, elle est raide. Inspire, allonge la main gauche vers le ciel. Expire, twist. Inspire, le dos est long. Expire, on tourne. Et tout doucement, on ramène la main gauche au sol. On raidit les deux jambes. On peut garder les genoux légèrement fléchis. Inspire, le dos est long. La nuque est longue. Expire, les mains au sol. Les pieds derrière, planche. On prend une inspiration. On va descendre tout doucement. Ici, pour 5. Les coudes dans l'arrière. 4. Et 3. Et 2. Et 1. Ah. À chaque inspiration, le dos s'élargit, même le bas du dos. Et à chaque expiration, c'est comme si on fondait un petit peu plus dans le matelas. Et puis, on revient porter les mains de chaque côté de la poitrine et on tourne le regard vers l'avant. Donc, les mains vont être directement sous les épaules, les coudes pointent vers le haut et l'arrière. On va coller les pieds ensemble. Le dessus des pieds est en appui au sol. On raidit les jambes. Ici, on engage les muscles des quadriceps et des fessiers. Et là, on inspire, on soulève le haut du corps. Les épaules sont détendues loin des oreilles. Et remarquez ici, bébé cobra, c'est mon dos ici qui supporte la position et non mes bras. On tente de rapprocher les omoplates l'une vers l'autre. On sent l'engagement et ça, c'est des muscles qui nous aident à améliorer notre posture. On vient renforcer tout le dos, qui fait aussi partie de notre tronc, de notre corps. Et tranquillement, voilà, on tourne l'oreille opposée au sol et on allonge les bras le long du corps. Vous voyez si c'est possible pour vous d'être dans le repos total, autant mental que physique, entre les positions. OK, on ramène le regard vers l'avant. Cette fois-ci, on va allonger les bras le long du corps avec les paumes des mains tournées vers le bas. Éloignez les épaules loin, loin, loin des oreilles. Et soulevez les pieds, soulevez les jambes, soulevez les quadriceps. On voit si on va soulever le haut du corps un peu plus. Et les jambes un peu plus, et là, ramenez les mains encore plus vers le bas. Et comme si on voulait toucher les pieds avec les mains.
et rapprocher les omoplates l'une vers l'autre. On va faire quelques pulsions ici, où est-ce qu'on laisse les épaules rouler un petit peu vers l'intérieur et ensuite on les ramène bien vers l'arrière pour 10. 9. Soulevez les pieds un peu plus, les jambes un peu plus. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on revient. Tournez l'oreille opposée au sol. Détendu complètement. Ensuite, on va retourner le regard vers l'avant. On ramène les jambes pour qu'elles soient collées ensemble. Cette fois-ci, on va venir entrelacer les doigts derrière nous. Si pour vous, les épaules ne le permettent pas, mais c'est là que notre petite sangle, notre ceinture, peut venir très, très utile. On vient tout simplement porter les mains sur la ceinture ici. Et puis tranquillement, plus on crée de la flexibilité au niveau des épaules, plus les mains vont se rapprocher et éventuellement, on pourra entrelacer les doigts. Donc, inspire, soulevez le haut du corps. Ensuite, soulevez les jambes. Rapprochez les omoplates l'une vers l'autre. Yeah! On inspire, ensuite on trouve sa propre limite. On voit si on ne peut pas la maintenir. Mais ça, c'est facile de trouver sa limite, mais la maintenir et peut-être la dépasser un petit peu. Et ça va ici pour 3, 2 et 1. On détend l'oreille opposée au sol. Et on va faire une dernière flexion arrière. Donc, la prochaine flexion, pour ceux qui ont les épaules ou les genoux un peu plus sensibles, je vous suggère de répéter la dernière position. Sinon, si vous sentez que l'ouverture est avec vous, la flexibilité et la force aussi, on va plier les genoux, attraper les pieds. Et laisser les épaules rouler vers l'arrière ici. On va maintenant pousser les pieds dans les mains pour soulever le haut du corps. Et on ne laisse pas les genoux s'écarter. Les genoux sont à la largeur des hanches. On voit si on peut pousser un petit peu plus. Laissez la poitrine aller vers l'avant. On prend encore une longue inspiration. On roule vers le ventre à l'expiration. Et puis on inspire, on revient vers le centre. Expire, on pousse dans les pieds pour soulever le ventre un peu plus. Et on relâche. Ouh, OK. On tourne l'oreille opposée au sol. Et on va faire un dernier exercice, un peu plus en force, pour venir renforcer justement les muscles du haut du corps. Donc, on va apporter les bras en T. On va soulever les jambes et on va venir porter les mains ensemble pour que les doigts se touchent. On peut aussi écarter les jambes si vous voulez aller travailler les muscles des fessiers. Puis, on va inspirer. On soulève, on squeeze les omoplates l'une vers l'autre. Expire, gardez les bras haut, haut, haut. On ouvre comme une étoile. Oh, on fait comme un ange, en fait. Tu sais, dans la neige. Et ça. Inspire. Expire. Encore pour 3. Inspire. Et 2. Et 1. Restez ici. On va faire des petites pulsions en soulevant les mains vers le ciel. On tente de rapprocher quand même les mains vers les pieds. Vous pouvez modifier en baissant les pieds au sol. C'est comme vous préférez. Pour 5. Les omoplates viennent l'une vers l'autre. 3. 2. Et 1. Yeah! On est en position du sphinx. Donc, en sphinx, les épaules, les coudes sont directement sous les épaules. Les mains sont en ligne avec les coudes aussi. On ne veut pas de rotation interne ici au niveau de nos épaules. Rotation externe, vous voyez, ça permet de dégager la poitrine vers l'avant. Venir porter le dessus des pieds au sol. Et là, on va juste faire une petite séquence d'abdos. On va soulever les hanches. Et les cuisses. Peut-être que pour vous, vous arrêtez ici sur les genoux et c'est parfait. Lorsqu'on est ici en planche, on repousse le sol. Regardez le haut de mon dos quand je suis pas active et là, oups, je repousse, je suis active. Donc peut-être que vous restez ici. Ceux qui veulent un peu plus, on va garder le dessus des pieds au sol
Puis on va soulever aussi les genoux. On continue à être bien actif et active. Et là, on fait comme si on voulait rapprocher pieds des coudes et coudes des pieds. Et on rentre les orteils du pied droit, on rentre les orteils du pied gauche. On continue ce mouvement-là. De rapprocher coudes vers les pieds, pieds vers les coudes. On ne veut pas les fesses vers le haut. Et on bascule les hanches de droite à gauche. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient en planche, genou au sol et lève. 1, 2, on va jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les deux genoux en même temps. Encore pas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose le pied gauche, on redépose le pied droit. Ouh! Ah là là, il fait chaud. On va prendre la main pour détendre les épaules. Donc on va venir porter les mains une par-dessus l'autre. On fait encore une petite oreiller pour notre front. Ensuite, on va venir porter les mains à l'extérieur du tapis en appuyant les doigts au sol et en créant une petite tente avec nos paumes de main. On va inspirer et soulever le haut du corps. Les épaules roulent vers l'arrière, la poitrine vient vers l'avant. On soulève peut-être un peu plus haut. Donc, les hanches restent au sol ici, hein, parce que si on va trop haut, à ce moment-là, on va risquer de se blesser au niveau de la colonne lombaire, le bas du dos. C'est vraiment un mouvement au niveau de la colonne thoracique, au niveau de la poitrine, du haut du dos. Et voilà. On va bien porter les mains, les coudes sous les épaules, pardon. Et on ne fait pas d'autres abdominaux. On va, encore une fois, rouler les épaules vers l'arrière, ensuite plier le genou droit. Attraper le pied droit avec la main droite et ramener le pied droit vers la fesse droite. Peut-être que pour vous, ça s'arrête ici. Ou peut-être que pour vous, on peut aller un petit peu plus loin. On continue de repousser le sol avec le coude gauche. Vous voyez ici, inactif. Oups, là, je suis active. Donc, en même temps, je crée une flexion arrière. Encore pour trois. Et deux. Et on relâche le pied. On revient se centrer. Les deux coudes sont en appui au sol. Les épaules sont vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Vous connaissez la chanson maintenant. On plie le genou gauche. On attrape le pied gauche avec la main gauche. Donc, si vous ne vous rendez pas au pied, c'est une bonne façon ici d'utiliser la sangle. Oups. On reste actif avec le coude droit en appui au sol. Les épaules sont bien hautes. Là, on étire le psoas et le quadriceps de la jambe gauche. Donc, encore une fois, c'est un muscle qu'on veut étirer pour contrer la position assise en tout temps. Puis, relâchez. Excellent! On vient sur le dos. Donc, on va se coucher sur le dos. Et on va porter les pieds au sol. Les pieds sont largeur des hanches. Donc, on est capable de frôler les talons avec le bout des doigts. Ça nous indique que les pieds ne sont pas trop loin. Et puis là, on va soulever les hanches. On engage les muscles des fesses ici. Donc, c'est non seulement les hanches qui se soulèvent, mais aussi on va rapprocher les omoplates et on va venir pousser la poitrine vers le visage. Comme ça. Ça fait en sorte qu'on ne parle pas très bien. Donc, la poitrine vers le visage et les genoux tirent dans la direction opposée. Donc, il y a une longueur qui se crée, une flexion arrière ici qui prend place au niveau de la colonne thoracique et non lombaire. C'est bon? Ceux qui ont ouverture, ils peuvent venir entrelacer les doigts en dessous, peuvent le faire. Continuez d'étirer la poitrine vers le visage et les genoux dans la direction opposée, créent une belle longueur.
encore 3 ou 2 et 1. On redescend les fesses au sol. Yeah. On croise la cheville droite par-dessus le genou gauche. Les orteils sont fléchis. Bien important. Ensuite, on peut tout simplement repousser le genou droit loin de nous si on sent que déjà l'étirement est assez bien. On reste ici. Si on a un peu plus de flexibilité au niveau des hanches, on va ramener le genou gauche près de soi. Nos orteils restent fléchis. Et là, ma main droite, là, elle est venue entre la gauche et la droite, si vous n'êtes pas trop certain. Mes jambes font comme un chiffre 4. Et à chaque inspiration, le ventre gonfle. À chaque expiration, on rapproche le genou gauche un peu plus près de soi. Puis gardez la cheville droite croisée par-dessus le genou gauche, déposez le pied gauche au sol, croisez la jambe droite par-dessus le genou gauche. Donc, on va maintenant porter les bras en T de chaque côté de nous, soulevez les hanches, déposez vos hanches, votre hanche gauche au sol et laissez les genoux retomber vers la gauche. La main droite est allongée à côté de vous et le regard est tourné vers la main droite. Adoucissez les expressions faciales. Laissez votre mental être fluide comme la rivière qui coule derrière moi. On visualise tout ce qui entre dans notre esprit, qui en ressort aussitôt. Une fluidité de pensée, de respiration. Et puis on revient se centrer. On pose les deux pieds au sol, on aligne les hanches de façon à ce qu'on soit bien étendu au sol. On pose le pied droit, on garde le pied droit au sol et on croise la cheville gauche par-dessus le genou droit. Les orteils ici sont fléchis. Donc pointé, fléchi, c'est le contraire. Ensuite, soit on repousse tout simplement le genou gauche avec la main gauche ou si on veut l'étirement un peu plus intense, on va rapprocher le genou droit de soi et la main gauche vient ici entre les deux jambes et on vient entrelacer les doigts autour de la cuisse droite ou autour du tibia droit. Orteils fléchis, détendez les épaules, loin les oreilles. Le soleil fait tellement du bien. On est bien au chef du studio, on a hâte de vous réaccueillir ici. Avec la rivière qui coule, le soleil qui entre, on a l'impression d'être dehors même en étant dedans. J'espère que vous allez venir nous voir lorsque le confinement va être terminé. La Marnite, si vous n'êtes pas certain, si vous ne connaissez pas. Ensuite, on va poser le pied droit au sol. Glissez le genou gauche par-dessus le genou droit. Comme si on croisait nos jambes quand on est assis. Ensuite, les bras sont en T de chaque côté du corps. On soulève les hanches et on se dépose sur la hanche droite pour ensuite se tourner ici vers la droite. Les deux épaules restent un peu au sol. Le regard se tourne vers la main gauche. De ressentir la position sans sentir qu'elle devrait être autre chose ou plus profonde. Laissez-la prendre forme. Telle est présente à vous aujourd'hui. Ayez confiance que vous avez fait tout le travail, vous l'avez mis en place, c'est enclenché maintenant. Votre corps travaille pour vous et là, les bienfaits prennent place. C'est dans ces instants-ci qu'ils prennent place.
Et puis on revient se centrer ici au sol. Vous pouvez prendre votre bloc ou un coussin ou votre tapis, comme vous préférez, le poser au bas du dos. En fait, au niveau du sacrum qui est comme entre vos fesses et votre bas de dos, si vous n'êtes pas trop certain de savoir. Et on va élever les jambes. Les jambes sont en position de repos. Quand on est assis constamment, comme ça, dans le bureau, ben, la circulation sanguine se fait un peu moins bien parce qu'on a toujours les pieds vers le bas. Bon. On va inverser le processus. On permet à la circulation sanguine de faire son chemin vers notre cœur plus facilement. Et puis, par le fait même, ben, ça, c'est un excellent remède pour booster notre système immunitaire. Mais pour ça, il faut que les jambes soient décontractées. Si vous voulez, vous pouvez faire ça en ayant les jambes en appui sur un mur. Comme ça vous permet de détendre vraiment vos jambes. Vous pouvez même mettre la sangle autour de vos cuisses, si vous voulez. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel pour avoir une relation externe et garder tout le devant du corps ouvert. Donc, pour cette position-là, vous pouvez la garder, la faire un petit 5 minutes par jour. C'est effectivement quelque chose qui va vous servir, qui va vous amener plein de bienfaits. Mais pour aujourd'hui, pour la classe, on va arrêter ça maintenant. On va faire une dernière position avant de quitter. Vous allez prendre votre fameux tapis roulé ou votre serviette roulée. Posez-la ici, à l'arrière de votre tapis, et venez déposer vraiment la ligne des omoplates sur le tapis ou la serviette pour que vos épaules puissent retomber de l'autre côté de la serviette. Et les bras sont allongés ici, les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Une position de repos qui crée une ouverture au niveau du devant du corps. Profitez de cette position aussi longtemps que vous le pouvez. Et puis on se revoit bientôt. Merci de votre pratique.